Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? C'est extraordinaire. Et si je vous posais la question de savoir, dites-moi mes frères et sœurs, avez-vous des super pouvoirs? Ou des dons, des talents, des choses que vous pouvez, vous êtes les seuls à avoir dans le monde? Bon, quand on parle de talent, on voit souvent des émissions comme American Got Talent. Là-bas, les gens veulent nous montrer ce qu'ils savent faire. Ici, je suis tombé sur un jeune homme qui m'a vraiment étonné, même épaté. Ah, c'est un jeune Africain. Ce gars, il est flexible. Même plus flexible. Comment arrive-t-il à faire ça? On dirait que c'est du chewing-gum. Ok. Assez bavardé, suivez-nous. Allons au studio, nous allons voir ça ensemble. Et vous devez partager cette vidéo après vous être abonné bien entendu. C'est parti. Ha! Ça va être chaud! Est-ce que c'est même chaud, mes frères et sœurs? Vraiment, quand je vois ça, je me dis, ah! Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Mais regardez même ici, regardez ça. Ça c'est quoi ça? Du gros poisson qui se trouve là-bas, en train de nous regarder. Oh! Que faites-vous dans l'eau? C'est Dieu qui les a placés là. Mais vous, si vous voyez une femme qui sort de l'eau avec la queue de poisson, faites attention, c'est une sirène. Et une sirène, c'est un démon. Là, on est d'accord. Il fallait qu'on vous dise ça quand même. Nous sommes en famille, on se donne de vrais conseils ici. Ok, c'est parti. Regardez maintenant ça. Waouh! Le super pouvoir de ce jeune homme est hors du commun. Ouh, son talent est vraiment hallucinant quand même. Comment arrive-t-il à passer d'ici à ça juste en quelques secondes? C'est incroyable, mes frères. C'est presque inadmissible. C'est presque incroyable. Mais nous devons vous montrer ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Regardez ce qu'il est capable de faire. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Let's go. Wow. Hein? Quoi? Ooh. What? Wow. Là, je suis sans moi. C'est quand même bizarre. C'est presque effrayant. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment incroyable. Waouh, comment les gens arrivent-ils à faire tout pareil? Waouh, comme vous venez de le voir, c'est pas de la base, c'est pas de la frime. Je me pose la question, ça, mais pourquoi moi je n'arrive pas à faire tout pareil? Comment c'est possible? Il y a vu même une vidéo sur internet où on voit un homme simple. Vous voyez, il est simple. Il était face à un homme qui soulève du poids. Vous voyez les gens qui soulèvent du poids là. Et cet homme a juste pris un truc comme du scotch ou de un truc collant ou un autocollant. Voilà, ça c'est mieux. Et il a positionné cet autocollant là sur son dos comme ça. Juste ici. Est-ce que vous avez vu ça? Parfait. Maintenant, lui, il veut lancer un défi à cet homme en forme. Il dit, tu sais, moi je vais prendre cet autocollant, je vais juste positionner cet autocollant ici sur mon dos. Et je vais le retirer tranquillement. Je te lance un défi. Si tu arrives à le faire, c'est que tu es fort.
Et c'est maintenant là qu'il va laisser ce défi-là à cet homme en forme. Ah! Et il prend ça, effectivement, il le fait. Il pose ça sur son dos et il enlève cet autocollant, il déchire, pouf, il nous montre ça, dit, tu vois, c'est ça. C'est extraordinaire, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, c'est ça. Et il dit, ok, pas de souci, bon, met sur mon dos, il prend cet autocollant et il positionne sur le dos de cet homme en forme et musclé. Maintenant, il demande à cet homme en forme là de juste prendre sa main et retirer cet autocollant juste par l'arrière ou bien comme ça. Comme lui, il est en forme, il a du mal à retirer ça. Parce que depuis qu'il était essayé, ça ne marche pas. Il essaie tout, ça ne marche pas. Il fait tout, ça ne marche même pas. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il a essayé de lutter. Il est en forme. Il allait soulever du poil et il dit plus go. En forme avec les bras qui dépassent la taille d'une montagne. Et il essaie de pressionner ta main derrière, il ne peut pas. Il dit, mais waouh! Dieu t'avait crié mince. Tu as dit, non, je suis trop mince. Il faut que je grossisse. Tu dis, nous, continue. Oh, je suis trop gros. Ma main n'arrive plus derrière. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est ce qui s'est passé que nous vous disons seulement. Ah! C'est impossible. Comment ça se fait? Et quand j'ai regardé cette situation, je me suis dit, bon, vraiment, dans la vie, il ne faut jamais envier quelqu'un. Souvent, quand vous voyez les gens qui sont en forme, vous dites, ah, j'aimerais être en forme. Mais parfois, il y a des trucs, des réalités de la vie. Hein. Le problème, moi-même, je ne savais pas que ce n'était pas possible pour ces gens gros bras là. Je ne pensais pas que ce n'était pas possible pour eux de tendre leurs mains jusqu'à derrière, jusqu'à toucher leur dos facilement, juste à un niveau de leur dos. Vous voyez, ça m'a étonné. Et c'est une chose que cet homme peut réaliser, vous-même. Vous allez voir encore. J'espère que la vidéo est là. Oh, où est passée la vidéo? Chez la voisine. Ouh, ouais. Ça, c'est tout de ouf, hein. J'essaie maintenant de vous montrer la vidéo. La vidéo dit non, elle ne bouge pas. Est-ce que vous voyez? Ouh, ça c'est un truc extraordinaire. Où sont-ils? J'espère qu'il n'y a pas de fantômes dans mon ordinateur. Les fantômes. Bon, ça va aller. Est-ce que vous croyez même à l'existence des fantômes? Il n'y a jamais qui sont ici, mais je ne crois même à rien. Bon, attendez, nous allons voir ça. J'essaie de vous montrer le truc. Le truc a disparu. Oh. Mais dis donc. Regardez l'écran. L'écran est figé. J'essaie de monter, ça passe pas. Ah, c'est même bloqué. Hein. Où est ça? Bon, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Nous allons tenter de régler le problème tout de suite et rapidement. Et vous préparez une autre vidéo qui va même vous étonner. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Si vous êtes chaud, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Surtout, dites-moi, quelle est votre forme? Est-ce que vous avez la capacité de prendre votre main et de la positionner juste là à l'arrière? Si on fait ce challenge là, quelqu'un vient positionner peut-être un sticker sur votre dos, juste là, juste au dos, pourriez-vous l'enlever? Ça va être chaud. Hein. Les gens sont même chauds. Ils sont en train de soulever du poids matin et du soir. Et ils mangent quoi là-même? Tout ça c'est bien. Mais ce qui me tourne par-dessus tout dans cette affaire là, ce qui me tourne chez ces personnes là, c'est que. Elles sont en forme, non? Elles deviennent en forme. Et ces personnes-là deviennent gros bras. Mais, au moment de la vieillesse, elles redeviennent minces. C'est-à-dire que toi, si tu étais mince, et que tu as soulevé même des poids pour devenir en forme, quand tu vas vieillir, tu vas devenir mince. Plus mince que mince. Et tes seins, c'est-à-dire que tes seins même risquent de tomber comme ça, comme une femme. Comme une femme âgée. On va te regarder. Ah, mais tonton, tu as des seins. Comme tantie. Tu as même brillé. Mais ça finit, ça bizarre. On avait plein de bon nombre de les personnes qui sont en forme, là, qui ont eu de tels problèmes. Et à ce moment-là, les gens sont même lutter pour avoir cette forme-là. On dit qu'il faut être agbolo. Chez nous, on appelle ça agbolo, agbolozaï. Et tu vois, les gens sont en forme comme ça. Ah! Les gens même vont se piquer de ces piqûres dans les os juste pour devenir en forme. Certains mêmes ne font même pas de fort. Hein. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller se placer des muscles dans le bras
avec la chirurgie esthétique et tout ça. Ah, ça, c'est quoi ça encore? Dieu de la misère, c'est quoi ça encore? Dieu de ce qu'à côté, ça, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça, ça va être chaud. Bon, c'est les choses de la vie. Nous avons envie de vous raconter toutes ces affaires. Et il y a aussi les tatouages, voilà, les tatouages. Les gens passent le temps à se tatouer matin, midi, soir. Ah, mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Il y a un gars, on l'appelle 669. J'ai même envie de vous raconter son histoire même. Bon, je vais vous raconter cette histoire-là de la prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous savez de cette personne. Cette vidéo pourrait apparaître ici. Abonnez-vous, restez connectés. C'est que je sais qu'il y a certains tatouages, quand vous les avez sur vous, au moment de votre vieillesse et que votre peau se froisse, le tatouage aussi devient bizarre. Le savez-vous? Les gens me sont en train de faire les choses, mais sans savoir même que après, même dans la vieillesse, même ça va même se retenir contre eux. Faites attention. Ils te conseillent. Hein? Il faut même être propre. Il faut même être joli, même. Il faut être simple. Regarde, est-ce que tu vois un tatouage sur mon visage ici? Parce que dans le passé, quand j'étais dans le monde, je me suis fait un tatouage quelque part là sur le bras. Bon, c'est sur le bras avec lequel je tiens la caméra. Mais. Il ne faut pas le faire. Laissez les tatouages tranquilles. Vous laissez les tatouages comme ça. Après il y a même vu une fille. Après, ça a tatoué même le nom de son copain. Quelque temps plus tard, les deux se sont laissés. Ils se sont tellement bien laissés qu'elle a décidé d'aller se faire enlever ses tatouages. Et imaginez la suite. On dit c'est douloureux. Pour pouvoir enlever ses tatouages, douloureux. Elle est passée au laser, tout ça. Bon, on espère que dans cette affaire de 6-9, ben voilà, nous allons essayer d'en parler pour pouvoir comprendre certaines choses. Abonnez-vous et à toute la prochaine, nous en parlerons. C'est parti!